parler de mes produits terminés et je vous dis sans plus tarder si je vais les racheter ou pas. Donc j'ai tout un sac, vraiment un sac assez grand, rempli de produits vides, donc des packaging vides que j'ai fini dernièrement. Je vais essayer de vous en parler rapidement. On commence avec de l'eau thermale de chez Aven. Donc là aussi je vous renvoie vers un article de mon blog que j'avais fait peut-être en 2013 il me semble, comme quoi ce produit là c'était l'héroïne de ma tronche. Puisque j'adore cette eau thermale, elle est hyper apaisante, le spray est hyper agréable. Et surtout, moi je me sers de ça comme quelque chose de rafraîchissant déjà pour me réveiller le matin. Et je m'en sers également après le démaquillage, vu que je me rince avec un gant de toilette et de l'eau du robinet. Eh bien, le calcaire a tendance à agresser ma peau et ça, ça permet d'enlever tout résidu de calcaire sur ma peau. Je la laisse poser quelques minutes ou pas. C'est un truc hyper agréable à se vaporiser sur la figure. Donc oui, sans hésiter, j'en rachète. Y a-t-il besoin d'acheter vraiment de l'eau thermale d'Aven qui s'achète en parapharmacie et qui est plus chère? Pas forcément, il y a aussi ce genre de vaporisateur qui se trouve en grande surface, donc ceux-ci ils sont de chez Evian, donc ce n'est pas de l'eau thermale, c'est censé être de l'eau minérale naturelle, mais vraiment si vous voulez utiliser ça pour vous rafraîchir ou pour seulement enlever les résidus de calcaire qui restent sur votre peau après vous être rincé la peau avec de l'eau du robinet, et bien ça, ça fait très bien le job, c'est moins cher. Les brumisateurs sont plus volumineux. Bien sûr, elle a moins la réputation d'une eau apaisante telle que celle d'Aven. Ça rafraîchit, on a l'impression que ça tonifie du fait qu'on se vaporise ce truc frais sur la figure. Donc hop, la peau va avoir tendance comme à se rétracter un petit peu. Donc on a l'impression que ça tonifie. Et voilà, donc moi j'ai toujours de ça chez moi et oui, je suis amenée à en racheter en grande surface. J'ai terminé ce gel douche récemment dans mes vidéos produits terminés. J'ai arrêté de parler de gel douche parce que je trouvais ça un peu lassant. Voilà, on sait que je me lave. Et souvent, moi, j'achète des trucs de grande surface. Donc ça, c'est encore un truc de grande surface. Mais j'ai tellement eu un coup de cœur pour ce gel douche que j'en parle. Donc c'est de la marque Vendôme. Je l'ai acheté dans mon magasin Leclerc. Je dis pas que le packaging est top parce que j'ai cassé le petit capuchon. Je préfère quand les packagings sont sous forme de flacon pompe. Mais voilà, c'est un douche et bain émollient sur gras pour les peaux très sèches. C'est au cold cream. Et moi j'ai tendance à acheter du cold cream de chez Aven qui coûte beaucoup plus cher et qui est en plus petit format. Et ça sous la douche, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré l'odeur totalement neutre, le côté hyper doux. Vous sortez, vous n'avez pas la peau irritée par l'eau et par le gel douche. Je serais amenée à racheter ce gel douche. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'avais utilisé dans ma vidéo Get Ready With Me où vous voyez les produits que j'utilise sous la douche le matin. Et ensuite, pour parler de cold cream, donc j'ai encore fini un cold cream de la marque Eau Thermale d'Aven, donc c'est un gel nettoyant sur gras et moi vous le savez, je me sers de ça pour me laver les mains parce que je recommande vraiment de prendre soin de ses mains, c'est vraiment quelque chose qui reflète vraiment votre âge, qui reflète vraiment comment vous vous soignez. Les mains morflent beaucoup plus que le visage très souvent et on l'oublie. Il faudrait vraiment appliquer, à mon sens, si on veut avoir de jolies mains, il faudrait appliquer le même soin aux mains que au visage. Ça passe par le fait d'utiliser des savons non agressifs pour les mains. Et moi j'aime beaucoup utiliser du cold cream d'Aven parce que c'est un savon doux. Ensuite j'ai terminé une huile démaquillante de la marque Shuemura. Donc je vous mettrai ici une petite note de combien de temps m'a duré ce flacon. Parce que la dernière fois que j'ai parlé d'un flacon Shuemura, je vous avais dit que je venais juste d'en recommander. Puisque j'avais vraiment envie de vous dire combien de temps ça me faisait ça. Ça fait 450 ml et je crois que ça m'a fait peut-être 8 mois voire même 1 an. Je serais pas surprise. Sachant que moi je l'utilise à raison de 3 utilisations par semaine à peu près parce que je me maquille pas vraiment tous les jours, je me maquille en moyenne 3 à 4 fois par semaine. Mais sachez que je l'utilise quand je l'utilise le soir, je l'utilise en 2 utilisations parce que je pratique le double nettoyage, c'est-à-dire que je me démaquille et ensuite je me nettoie la peau et moi j'utilise le même produit. Et j'utilise donc cette huile démaquillante anti-oxy de Shuemura que j'adore. C'est pour moi la plus visqueuse, c'est celle qui nettoie mieux les pores, c'est celle qui décolle mieux le maquillage et c'est celle qui a l'odeur que je préfère chez Shuemura. Donc certes c'est pas un produit donné mais c'est sans doute l'huile démaquillante la plus célèbre. Je m'aventurerai pas en disant que c'est la plus célèbre au monde mais moi c'est celle que j'ai testée en premier
depuis des années. C'est vrai que dernièrement j'ai découvert celle de l'Occitane qui est très bien à beaucoup moins cher, donc je serais peut-être amenée pour des raisons financières à me tourner vers celle de l'Occitane, mais si, je serais amenée quand même à racheter celle-là parce que c'est un produit que j'affectionne vraiment énormément. Vous pouvez l'utiliser en produit nettoyant même si vous n'êtes pas maquillée. Et moi, elle m'aveugle pas quand je m'en sers pour démaquiller mes yeux. Et c'est un produit que j'adore. Donc certes, elle coûte plus de 80 euros les 450 ml. Mais voilà, ça m'a fait près d'un an quand même. Donc ça reste un produit qui dure longtemps. Comment je m'en sers? Je m'en sers pour me démaquiller. Je prends deux pompes. Mon visage est au départ sec. Je m'en sers pour décoller tout ce qui est fond de teint, mascara, etc. Donc moi je me démaquille les yeux souvent d'abord avec un démaquillant biphasé et je me sers de l'huile démaquillante pour terminer le démaquillage des yeux. J'utilise un produit biphasé pour les yeux. J'applique deux cotons que je fais des petites pressions pour pas frotter le coton sur mes yeux. Ensuite j'ai la peau sèche, j'ai la peau seulement maquillée, j'applique deux pompes sur mon visage que je masse pour bien tout décoller. Et ensuite j'applique de l'eau, donc souvent j'en applique avec un brumisateur, avec mes doigts je vais émulsionner et l'eau et l'huile se mélangeant ça forme un lait. Donc c'est une huile qui est faite pour ça. Si vous utilisez une huile naturelle de jojoba, elle va pas s'émulsionner et se transformer en lait. Ça, ce sont des huiles qui sont faites pour être démaquillantes et au contact de l'eau, ça se transforme en lait. Et ensuite, je prends un gant de toilette mouillé et j'enlève tout le mélange de maquillage et de lait qu'il peut y avoir. Et ensuite, moi, j'éprouve le besoin de renettoyer ma peau derrière. Et comme je veux pas utiliser 50 produits, eh bien, je réapplique sur ma peau mouillée de l'huile démaquillante qui se transforme directement en lait puisque au deuxième coup ma peau est mouillée. Voilà, à raison de 4 utilisations peut-être par semaine, 4 soirs par semaine où j'en utilise 2 fois, et bien voilà, ça m'a fait près d'un an ce flacon. Je dirais oui, je vais le racheter parce que c'est un de mes produits chouchou et je vous mettrai le lien de l'article que j'avais écrit sur mon blog au sujet de cette huile. A contrario de l'huile démaquillante, je ne suis pas du tout la cliente des eaux micellaires et bien que cette solution micellaire a fait un tabac sur toute la blogosphère et sur tout le monde de la beauté, et bien cette créaline de Bioderma, je n'aime pas spécialement ce produit, mais j'en ai terminé un flacon de 250 ml et je vais vous dire comment et vous allez comprendre pourquoi il m'a duré si longtemps. Donc je vous renvoie tout de suite vers l'article dont je mettrai le lien en barre d'infos que j'avais fait sur les eaux micellaires en général, non pas seulement sur cette créaline de Bioderma qui est la plus connue en l'occurrence. Voilà, c'est vrai qu'elle est quand même bien faite pour peau sensible, que c'est un produit qui démaquille. Ça, moi j'aime bien en avoir, j'en ai racheté en tout petit flacon parce que j'avais pas besoin d'un si gros flacon de 250 ml qui n'est pas pourtant le plus gros. J'ai racheté voilà, ce petit bébé flacon de créaline de Bioderma parce que je m'en sers uniquement pour retoucher un petit trait de liner ou du fard à paupières qui peut avoir chuté sur mes cernes ou sur mes joues. Quand je me maquille les yeux et que mon trait de liner j'ai un peu dérapé, bah je vais prendre un petit coton-tige que je vais humidifier avec de la créaline de Bioderma et ça va me permettre de retoucher mon trait de liner très précisément parce que si j'utilise vraiment un coton-tige seulement humidifié d'eau normale du robinet, il va falloir que je frotte un peu sur mon trait de liner, ça va me faire mal aux yeux, etc. Alors que ça, ça va facilement enlever le petit dérapage ou même les chutes de fard à paupières que vous pouvez avoir sur vos cernes et voilà, ça va vite. Donc je m'en sers vraiment en retouche de maquillage et c'est très efficace et vous comprenez du coup que je l'utilise vraiment au goutte à goutte ce produit et qu'une bouteille comme ça peut me faire facilement 2 ans. Donc c'est pour ça que j'ai seulement acheté une petite bouteille. Je m'en sers pas moi au démaquillage et oui j'ai vidé ce flacon et oui j'en ai racheté parce que voilà ça me sert à ça. Et j'ai terminé 2 flacons de crème fraîche de beauté, sérum hydratant et apaisant de chez Nuxe. J'en parlais dans ma vidéo Get Ready With Me et oui j'ai beaucoup aimé ce sérum hydratant même si dans la gamme Nuxe qui est ma routine soin du visage en ce moment, c'est pas le produit que je préfère. Pourtant, quand j'ai terminé le premier, j'en ai racheté un deuxième. Ce que je reproche, c'est que justement, ça s'utilise très très vite ce truc-là. C'est très 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 fluide, c'est très liquide. Et moi, vu que j'utilise des soins du visage, surtout le visage et dans tout le décolleté, parce que si on veut bien entretenir son décolleté et puis pas paraître 30 ans ici et puis 50 là, c'est quand même important de bien hydrater son visage, son cou et le derrière de son cou parce que voilà, même le derrière du cou, ça maintient un petit peu toute la peau qu'on peut avoir ici. Évidemment, je vide un peu plus vite les produits que certaines autres personnes qui ne les utilisent que sur le visage.
Et donc oui, j'ai quand même aimé ce produit au point d'en racheter un deuxième flacon. Ça sent très très bon la fleur d'oranger, moi j'aime beaucoup cette odeur. Je préfère quand même, niveau sérum hydratant, le sérum hydratant de chez Caudalie, le sérum Vinosource désaltérant, un truc comme ça. J'en ai racheté un deuxième. C'est un très très bon produit, mais je m'en suis un petit peu lassée. Il est recommandé pour toute peau sensible, visage et contour des yeux. Moi j'ai une crème contour des yeux, donc je ne l'appliquais pas toujours sur le contour des yeux. Mais ça m'est arrivé et voilà, c'est un truc qui marche niveau hydratation. Mais je préfère celui de chez Caudalie. On va rester chez Nuxe. J'ai encore terminé une crème prodigieuse nuit. C'est la crème nuit hydratante et défatigante. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo produit terminé. Je vous en ai parlé dans mes favoris du premier trimestre 2015, en mars, que la vidéo que j'ai faite en mars dernièrement. C'est à croire que je la mange cette crème parce que je la termine hyper vite. J'ai même été amenée à l'utiliser parfois le matin parce qu'elle pénètre très vite, on peut se maquiller derrière cette crème et vraiment elle a un effet apaisant. Ça défatigue tout de suite les traits, vraiment ça lisse. Oui, j'ai racheté mon troisième pot récemment que j'ai commencé et j'adore ce produit. Pour le matin, j'utilise la crème fraîche de beauté, crème hydratante et apaisante 24h. J'aime un peu moins cette gamme crème fraîche que cette gamme crème prodigieuse. Mais pour le matin, c'est ce qui me convient en ce moment. Celle-ci aussi, elle sent comme le sérum un petit peu la fleur d'oranger. Elle est très bien, elle pénètre vite. Moi, j'utilise celle qui est pour peau normale. Je pense qu'il en existe une pour peau très sèche. Celle pour peau normale me convient, bien que j'avais la peau très déshydratée récemment. J'ai terminé ce pot-là. J'avais terminé... Je pense que je vais vous en parler en même temps. Voilà, j'avais terminé son petit copain qui existe en 30 ml en tube. Donc, j'aime quand même pas mal ce produit parce que je l'avais terminé comme ça. Ensuite, je l'ai racheté en pot de 50 ml. Là, je l'ai terminé, j'en ai racheté un autre. Voilà, en ce moment, je suis très à fond Nuxe pour la routine soin du visage. Et je suis pas déçue. C'est des produits qui obstruent pas les pores, qui hydratent bien. Voilà, ils font leur job. C'est confortable à l'utilisation. Pour des crèmes qui ne sont pas des crèmes de luxe. Donc les amis, on va rester chez Nuxe. J'ai terminé un baume rêve de miel de chez Nuxe. Dois-je vraiment vous dire que je vais le racheter? Bien sûr, j'en ai toujours deux ou trois pots en réserve dans ma salle de bain. Je vous mettrai les liens des articles où j'en ai parlé, puisque c'est un produit qui mérite sa réputation. Je crois qu'il s'en vend un toutes les secondes dans le monde, enfin, ou toutes les minutes, je ne sais plus. C'est un produit qui nourrit hyper bien les lèvres. Ça reste pas en surface de la lèvre pour que ça se dessèche dessous, non, ça vient vraiment nourrir vos lèvres. Moi je le mets en couche épaisse la nuit, c'est top, avant de me coucher. Et je l'applique également sur le contour de mes ongles. Là mes ongles sont un peu pourris, ils mériteraient d'ailleurs un petit soin avec ça. Même si le baume rêve de miel reste mes favoris baumes à lèvres pour la nuit, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était une très belle découverte, le baume à lèvres nourricier de chez Sanoflore. Je vais l'utiliser dans ma vidéo Get Ready With Me. Celui-ci aussi est très bien. Il est bon en fait, le goût est pas désagréable. Il y a quand même ce goût un petit peu de cire d'abeille, de miel. Là aussi je crois que celui-ci contient du miel. C'est vraiment un très bon produit. Si je viens à me lasser du Nuxe, je pourrais être amenée à en racheter. J'ai vraiment été très contente de tester ce produit qui est aussi très très bien. Je connais pas du tout le reste des produits Sanoflore, c'est pas une marque que j'achète beaucoup parce que voilà, je peux pas me servir partout. J'ai qu'un seul visage, j'ai qu'un seul corps, donc évidemment je peux pas tout tester. Je regrette pas d'avoir testé ce baume à lèvres qui est très bien, et oui, je pourrais être amenée à le racheter. Faudra que je vérifie la différence de prix entre celui de chez Nuxe et celui-ci. Mais voilà, c'est un excellent produit qui est aussi très bien pour le contour de l'ongle. Toujours en guise de savon pour les mains, j'ai utilisé de la crème de douche anti-irritation Cica Biafine. C'est pour les peaux extra-sèches ou à tendance atopique. Ça nettoie sans irriter, ça hydrate pendant 24 heures et ça soulage les sensations de démangeaison. Alors, j'avais eu un prix, j'avais deux flacons comme ça, avec une réduction de moins 50% je crois sur le deuxième flacon. Donc j'avais sauté dessus, moi j'adore ces flacons pompes pour me laver les mains. J'aime beaucoup ces crèmes de douche qui sont un peu surgras. Et sans savon, sans parfum, et qui sont pour peau sensible et qui sont prévues pour ne pas irriter la peau. Donc voilà, j'ai le même discours que pour le Cold Cream d'Aven. Je pense qu'il faut des savons non irritants pour les mains. Ce savon-là est très bien. Le deuxième, je l'utilise sous la douche. L'odeur, voilà, c'est un peu pharmaceutique, il n'y a rien de sexy là-dedans. Je serai amenée à racheter ce produit, un de ces quatre. L'hiver étant passé, j'ai consommé beaucoup de soins hydratants pour le corps. Donc j'ai utilisé ce beurre corporel Biotherme. C'est un beurre corps antidesséchant intense.
ça apaise, ça répare et ça protège. Ça sent à fond les agrumes ce truc là. Il contient 15% de karité, c'est ça qui fait qu'il est très hydratant, très nourrissant. La texture était très agréable, ça pénètre très vite. Ce truc là existe aussi en lait et moi je l'avais choisi en beurre parce que j'aime beaucoup les textures beurre pour l'hiver. Le problème c'est que je me suis lassée à la fin de cette odeur d'agrumes. C'est pas les beurres corporels les moins chers qui existent et voilà, je trouve que c'est un peu cher donc je serais pas amenée à le racheter pour l'instant et l'odeur m'a écœurée sur la fin. Et quand j'ai eu fini ce beurre corporel qui était un peu cher, j'avais ce lait corporel nourrissant en tube qui m'avait été offert avec un gel au col cream d'Aven. Donc c'est le célèbre lait au col cream d'Aven qui est très efficace, ça pénètre très vite, c'est adapté aux peaux sensibles très sèches. Et oui, je pourrais être amenée à racheter ça parce que c'est un produit qui est simple, efficace, qui n'a pas de parfum, qui ne servent à rien dans ce genre de produit. Ça hydrate très bien et voilà, quand c'est sous forme de lait, ça pénètre très vite, donc c'est agréable quand on veut s'habiller le plus vite possible derrière. J'ai terminé également ce shampoing doux biodégradable sans parabènes, sans silicone, sans colorant de chez Garnier. Et ce shampoing est à l'amande douce et aux fleurs de lotus. Il adoucit et fait briller, il respecte la planète, donc c'est un shampoing qui paraît merveilleux quand on le voit comme ça. Moi, il m'a pas vendu du rêve, si bien que j'avais des meilleurs shampoings à côté, que j'ai trouvé qu'il avait pas spécialement bien, je trouvais qu'il avait tendance à me régresser les cheveux. Ça faisait un bail que je l'avais ce shampoing et je l'ai fini pour laver mes pinceaux en fait. Parce que j'utilise soit un shampoing doux, soit un savon doux pour laver tous mes pinceaux de maquillage. Et voilà, pour laver les pinceaux de maquillage, il a très bien fait l'affaire. Je ne le racheterai pas pour me laver les cheveux. Dans les produits cosmétiques de grande surface, j'ai terminé ce démaquillant yeux spécial waterproof de la marque Inel, qui est la marque Leclerc. Ce démaquillant, c'est un démaquillant biphasé qui permet le démaquillage du maquillage waterproof. Et je trouve ce produit génial pour le prix qu'il coûte. Il coûte 3 francs 6 sous, je crois qu'il coûte moins de 3 euros, je vérifierai, mais j'en rachète sans arrêt. Comme je disais, même si je me démaquille à l'huile démaquillante, j'aime bien mâcher le travail de l'huile démaquillante avec un démaquillant biphasé pour les yeux et un coton. Je frotte pas pendant des heures, donc j'aime que le produit soit assez efficace parce que voilà, je fais des petites pressions pour pas agresser mes yeux et pour pas qu'il y ait trop de frottements qui vont venir agresser et déshydrater mes yeux. Ce produit va être très bien, on parle de plein de démaquillants biphasés, Lancôme, La Roche-Posay, etc. alors que vous avez un truc qui coûte que dalle et qui fait tout à fait le job dans la marque Leclerc. Il est au bleuet ce truc là, donc je suis pas trop fan de l'odeur par contre, mais ça vient pas gâcher son efficacité. Non, c'était très bien et oui, je l'ai déjà racheté, il est dans ma salle de bain en version flacon plein. Et si je termine le suivant, bah, je serai amenée encore à racheter ce produit. J'ai aussi terminé un bain dissolvant de chez Kiko. C'est encore ces fameux bains dissolvants qui sont composés, donc il y a du dissolvant en forme de bain dans le flacon, il y a une petite mousse qui permet un petit peu de frotter son ongle contre le bain dissolvant. Certes, ce produit il coûtait pas cher du tout, mais j'ai trouvé qu'il puait à fond. Ils ont rajouté des petits arômes, enfin des trucs pour que ça sente, une odeur de fruits rouges, etc. J'ai trouvé que c'était le bain dissolvant le moins efficace que j'ai pu tester, et surtout c'est celui qui a une odeur mais vraiment atroce. Vraiment, à chaque fois, je l'utilisais avec la fenêtre ouverte de la salle de bain parce que c'était une odeur hyper désagréable et je ne l'ai pas trouvé plus efficace que ça. D'autant plus que la seule fois où j'ai utilisé un vernis à ongles rouge dans ce bain dissolvant, ensuite, lorsque je voulais me démaquiller les vernis qui étaient plus clairs, eh bien, je me retrouvais encore avec les restes du vernis à ongles rouge qui restait de la dernière fois en fait. J'ai été hyper déçue de ce produit. Donc non, je ne le racheterai pas. Je préfère celui de chez Bourjois ou même celui de la marque Leclerc, de la marque Inel en fait. J'ai enfin terminé ce petit baume à lèvres de la marque Lancôme. C'est de la gamme Nutrix Lèvres. Et j'ai bien aimé ce produit parce qu'il avait un filtre UV de 15. Et par contre, il laissait un film blanc un petit peu sur les lèvres, mais il a été parfait pour la montagne, là où le soleil est assez intense et où on risque de vraiment morfler niveau UV. Je le racheterai pas parce que pour le prix, j'espère qu'on peut trouver un peu moins cher des baumes pour les lèvres qui ont un filtre UV. Et il est très très bien, mais voilà, ça coûte un peu cher pour ce que c'est. Je préfère encore le Clinique qui
aussi, il me semble, contient des huiles UV. Comme je suis une tarée des soins pour les mains, eh bien j'ai terminé 3 crèmes pour les mains. J'ai d'abord terminé celle de chez L'Occitane en Provence au thé vert. Vous savez, j'ai fait un article dernièrement sur celle au beurre de karité de L'Occitane en Provence, qui est vraiment un produit phare de la gamme, mais ils font d'autres crèmes pour les mains à différentes odeurs, à différentes senteurs. Et celui-ci, c'est un gel hydratant pour les mains en fait. Et il a tout à fait une texture gel, c'est-à-dire qu'il a plus un côté aqueux qu'un côté gras. Donc ce gel hydratant pour les mains, je serais amenée à le racheter en été parce que c'est vraiment le genre de texture qui est hyper agréable à mettre l'été, parce que c'est frais, c'est riche en eau, donc ça va être très hydratant, bien plus que ça n'est nourrissant. On n'a pas spécialement envie de se graisser les mains quand il fait chaud. Ça sera un produit que je racheterai quand il fera chaud et que j'aurai pas envie de me graisser les mains avec une crème beaucoup plus grasse. Par contre, celle qui a une texture hyper grasse, la crème pour les mains la plus grasse que je connaisse, c'est la crème pour les mains au chanvre de chez The Body Shop. J'ai coupé le tube en deux pour pouvoir récupérer les restes de crème qu'il y avait dans le tube. Et oui, sans hésiter, donc il me reste un petit tube, là c'est le gros format de la crème pour les mains. J'en ai encore un petit en stock, mais c'est vraiment le genre de produit de chez The Body Shop pour lequel je pourrais être amenée à faire une commande sur le site internet uniquement pour lui. Parce que c'est vraiment la crème qui est hyper agréable à appliquer avant de se coucher, parce qu'elle met longtemps à pénétrer et du coup on a le temps de masser bien le contour de l'ongle. Et elle est hyper efficace côté nutritif. Et dernier produit que je vais citer, j'ai terminé cette crème pour les mains et les ongles de chez Roger et Gallet. Et elle a un filtre UV de 15. Heureusement que mon amoureux m'a aidé à le terminer ce produit, parce que j'ai pas du tout aimé l'odeur. Donc elle est aux huiles d'argan et d'onagre. Je sais pas ce qu'est l'huile d'onagre. Je regarderai, tiens, ça m'intéresse. Toujours est-il que oui, elle a une action nourrissante. Elle permet aussi d'embellir les mains parce qu'elle a des micro-particules de nacre et du coup ça rend les mains très lumineuses quand vous voulez vous en aller. Et voilà, j'ai bien aimé que la crème ait un filtre UV de 15 pour partir le matin. Et elle est très pratique pour partir le matin parce qu'elle pénètre très vite, elle laisse pas de film gras. Mais voilà, ce qui m'a pas du tout plu, c'est le parfum qu'elle a à l'application. Voilà, on dit ça sent bon, mais en fait le parfum reste sur les mains pendant plusieurs heures et moi ça me déconcentre, je supporte pas ça. Donc non, je le racheterai pas, bien que voilà, elle fait son effet côté jolie main. Sur ce mes amis, j'espère que cette vidéo a été agréable pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour attendre la suivante. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur différents réseaux sociaux. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao !